keep a rhythm musical, even jabronis. Here's a little something you can circle, but you don't be. Slowly but surely I can feel the ever-present effervescence of the now rain down and I'm blitz. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. Hounds bark, kittens on the out, cause we're living in the now. Plus smooth on the groove, ting. And we keep it moving, keep it moving. Salut à tous, c'est TSR de Ludovox. Nous sommes à Paris Ludique 2016 en compagnie de Leonidas Vesperini. Bonjour. Bonjour. Et nous avons la chance de pouvoir nous voir présenter le jeu Mythic Battles Panthéon, qui est un jeu qui n'est évidemment pas encore sur le marché, qui est une nouveauté. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la genèse de Mythic Battles Panthéon et surtout peut-être la différence avec le premier jeu Mythic Battles? Alors, effectivement, il y a un premier jeu Mythic Battles qui est sorti en 2012, à une époque où il n'y avait pas Kickstarter. Il a été édité par Yellow, enfin, il était distribué par Yellow, il était édité par Play and Win, qui était une société, et l'auteur s'appelle Benoît Vogt. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses, et il y a notamment eu le phénomène Kickstarter. Moi-même, j'étais impliqué sur le Kickstarter de Conan, qui a très bien marché. Et j'avais repéré Mythic Battles à l'époque, puisque je m'occupais de Ravage. J'avais justement été en contact avec Benoît Vogt. J'avais beaucoup aimé le système de jeu déjà. Et après Kickstarter et après le phénomène Conan, Benoît m'a proposé de m'associer avec lui pour lancer un nouveau projet sur Mythic Battles tel que le jeu aurait dû être au départ. C'est-à-dire que dans la première édition, il n'y avait pas de figurines. Il y avait un matériel un petit peu long à mettre en place. Il y avait des petits défauts qui étaient liés aux contraintes de l'époque. On voulait faire un jeu rapide à jouer, pas cher, avec peu de matériel, en fait, en tout cas que du carton. Les possibilités nouvelles offertes par Kickstarter permettent de vraiment faire un jeu beaucoup plus détaillé. Peu après avoir lancé ce projet, les gens de Monolith qui ont donc fait Conan nous ont contactés pour faire une coédition. Et c'est là que ça s'est enchaîné, c'est-à-dire que le projet qui était un petit peu modeste à l'origine est devenu un méga projet colossal, comme l'avait été Conan, et peut-être même encore plus, puisqu'on a eu plus de budget que sur Conan, et plus de temps, enfin un gros temps de développement également et de préparation pour ce Kickstarter, puisque c'est un projet en effet qu'on va lancer sur Kickstarter. D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, c'est la V2 de Mythic Battles. Alors le matériel qu'on voit là, évidemment, il est absolument somptueux. J'imagine que c'est pas exactement ça qu'on aura dans la boîte, même si après le Kickstarter Conan, on doute plus de rien. Alors, effectivement, là, nous sommes sur un salon et donc on a voulu faire plaisir un petit peu aux gens qui venaient, proposer quelque chose d'un petit peu spectaculaire. Et donc nous avons transformé certaines des maps qui se trouveront dans la boîte en presque en diorama 3D jouable. Donc ça ne sera pas ce qu'il y aura dans la boîte de base, mais ça restera quand même quelque chose de spectaculaire, puisque les maps seront en fait en carton épais avec des différentes zones, et on pourra mettre des décors 3D dessus qui permettront justement d'activer des effets sur certaines zones. Donc il y aura des forêts, il y aura des rochers, il y aura des colonnes grecques, et ce qui fait que le jeu, l'aspect 3D sera très présent quand même. Donc ce ne sera pas ça, mais ce sera très beau quand même. D'accord. Et donc ce que tu dis, c'est qu'il va y avoir des éléments 3D sur le terrain qui auront un effet de jeu, ce ne sera pas juste du décor? Non, absolument. Et au contraire, le fait qu'on puisse ou ne pas mettre, on puisse mettre ou pas des décors, fait que les maps sont très modulables. Si vous décidez de dire, là je veux mettre full décor, donc toutes les zones qui peuvent accueillir des décors, parce qu'on ne peut les mettre que dans certains endroits spécifiques. Donc par exemple, là il n'y a pas de forêt, parce qu'on est dans le Styx, mais il y a aussi des zones avec des forêts, on ne peut mettre les arbres que sur les zones qui sont prévues à cet effet. Mais on n'est pas obligé de les mettre partout, ce qui fait qu'il peut y avoir différentes configurations de maps. Et à partir du moment où une zone contient soit une figurine, soit un élément de décor, il y a un effet qui va se produire.
Une figurine, ça va bloquer la ligne de vue. Déjà, un élément de décor qui est posé sur un jeu bloque la ligne de vue. Et ensuite, il y a des effets spéciaux qui s'appliquent. Par exemple, là, si on regarde cette espèce de rocher, on ne peut y accéder, il est infranchissable. On ne peut y accéder que si on a la compétence escalade, par exemple. Et quand on est dessus, on va avoir un bonus d'attaque et de portée. Et on ignore tous les problèmes de ligne de vue. Ça, c'est un exemple. Et pour tous les types de décors, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce sont des effets très simples, mais qui ont une réelle influence dans le jeu. Et évidemment, ils bloquent les lignes de vue. Je suis ici, je ne peux pas me faire tirer dessus par quelqu'un qui est là parce qu'il ne me voit pas. Donc, les décors ont une vraie influence sur le jeu. D'accord. Donc nous, à Ludovox, on a beaucoup aimé le premier Mythic Battles, notamment à cause de son système de jeu, qui était quand même très original par rapport à un jeu d'escarmouche de figurines, sans figurines d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes rapidement les principes généraux du jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas le premier ? Alors, effectivement, l'une des grandes forces du premier Mythic Battles, c'était son système de jeu. Son univers aussi, qu'on a conservé. On a changé d'échelle par rapport au premier jeu. Le premier jeu, c'était plus des batailles d'armées, donc beaucoup plus stratégiques. Et là, on s'est concentré vraiment à l'individuel, hein. C'est plus tactique. Mais le cœur du système reste le même. Le système de dés, notamment, le système d'activation par carte, les combinaisons possibles entre les différentes unités, c'est-à-dire que certaines unités combattent bien avec d'autres, et ce qui fait que dans le jeu, on découvre tout le temps de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de jouer. Quel est le principe de jeu ? Eh bien, alors, il y a des différences aussi avec le premier jeu, mais le principe de jeu, c'est qu'on va jouer un dieu. Qui va recruter une équipe de combattants et qui va affronter un autre dieu. On peut aussi jouer à deux contre deux, c'est même le mode le plus courant. On va faire une équipe de. Chacun va jouer un dieu, une équipe de. Donc l'équipe de deux dieux va affronter une autre équipe de deux dieux. Le but du jeu, c'est soit de tuer le dieu adverse, ou l'un des deux dieux adverses quand on joue à deux contre deux, soit d'absorber ces espèces de gemmes qu'on voit là, qui s'appellent des omphalos, qui sont des gemmes d'énergie divine. Alors il y a toute une histoire, tout un historique dont je pourrais parler, hein, qui explique cela. On joue des dieux qui sortent d'une bataille contre des titans, qui ont été très affaiblis, et pour récupérer une partie de leur puissance, ils doivent récupérer ces omphalos et les absorber. Eux seuls peuvent le faire, et donc ils recrutent les plus grands guerriers et monstres de l'histoire pour les aider dans cette quête et dans ces combats à venir. Et donc tu mentionnes qu'on joue chacun un dieu accompagné de ses suivants. Est-ce que les dieux sont matérialisés sur le plateau avec leurs figurines, ou est-ce que c'est juste une présence autour du plateau ? Alors c'est vrai que dans le premier jeu, les dieux étaient présents mais on ne les voyait pas. Ça c'est une différence, c'est que là, ils sont là et on les joue. Donc par exemple, Athéna, la voilà. Donc, on voit bien par rapport à un humain normal qu'elle est beaucoup plus grande. Les dieux sont donc des géants, hein, de 3-4 mètres qui sont sur le plateau de jeu. Donc là, vous voyez Arès, vous voyez. Donc on joue un dieu avec ses caractéristiques et il est sur le plateau, il est présent. Et comme ils sont affaiblis, ils sont mortels. Ils sont beaucoup plus forts que des humains, mais ils sont mortels, ils peuvent être tués. Donc c'est l'un des buts du jeu. Ils peuvent recruter des troupes qui sont soit des survivants suite au gros cataclysme qui s'est produit dans le jeu, soit des héros qui sont ressortis de l'enfer et qui sont donc ressuscités. Donc là on voit Léonidas, justement. Là on voit des Spartiates. Mais on peut aussi recruter des monstres. Vous voyez, là c'est le Minotaure. Donc voilà. Donc tous les grands héros, les principaux personnages de la mythologie sont présents et on peut les jouer. Et ce qui est amusant, c'est qu'on ne sait pas l'équipe qu'on va avoir au début du jeu, puisque tout se fait sur un draft. Ça, c'est une nouveauté aussi par rapport au premier Mythic Battles. Oui, dans le premier Mythic Battles, souvent, déjà, on composait son armée comme on voulait par rapport à une équipe. Là, tous les mélanges, toutes les combinaisons sont possibles. On peut très bien
jouer Arès et recruter des Spartiates, ou jouer Athéna et recruter l'Hydre de Lerne ou Cerbère. Il y a plus de problème. Vu que c'est un jeu d'affrontement et de survie, les dieux sont prêts à tout pour s'en sortir, et donc y compris les alliances les plus improbables. D'accord, et donc au niveau du matériel, là on voit que les figurines sont absolument magnifiques, donc elles ont été un peu bombées je pense pour qu'on voit bien les reliefs. Est-ce que ces figurines-là sont représentatives de ce qu'il y aura dans la boîte ? Oui, alors là on est très fiers de pouvoir le dire parce qu'on a déjà les premiers tirages plastiques qui sont absolument phénoménaux, c'est-à-dire que ce qu'on voit là, ce sera ce qu'il y aura dans la boîte. Il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas de perte de détails. La seule différence par rapport à ces tirages résine qu'on voit là, c'est que comme c'est du plastique, il y aura un petit rétrain, donc elles seront un petit peu plus petites, mais on l'a anticipé, hein, ce qui fait que au final, ça sera un jeu 32 mm aux yeux, donc c'est-à-dire on va dire ce qui se fait de classique actuellement dans les jeux comme Zombicide par exemple, c'est exactement ce format-là. Et donc, tu as évoqué plusieurs types de jeux, 1 contre 1, 2 contre 2. J'imagine qu'il y a un mode campagne aussi, peut-être ? En fait, il y a beaucoup de modes de jeu différents. Tout sera indiqué dans la règle. Là, le mode découverte, celui qui nécessite le moins de préparation, c'est le mode escarmouche, où justement, on joue soit à 1 contre 1, soit à 2 contre 2, soit chacun pour soi, à 3 ou 4. Il y a plein de combinaisons possibles, mais évidemment, il y a d'autres modes de jeu, et notamment le mode scénarisé et campagne. Alors là, c'est différent. Le mode escarmouche a l'avantage de ne pas nécessiter de préparation, puisqu'on vient, on s'assoit, on va drafter son équipe et on va jouer. Donc, on a un budget pour constituer son équipe. En fonction du nombre de joueurs, ce budget varie. Et ensuite, on draft, on crée son équipe et on joue. Pas de préparation. Alors que dans le mode scénarisé, dans le mode campagne, il faut, on va avoir des équipes prédéfinies, une composition bien particulière, et à ce moment-là, et des conditions de jeu différentes aussi. Ce n'est pas forcément de tuer le dieu adverse ou d'absorber les omphalos. Là, ça peut être différent. Et l'autre grande différence, c'est le mode campagne, où ce qui se passe sur un scénario a une influence sur l'autre, sur le scénario suivant. Et donc, il peut y avoir une sorte de progression qui se fait avec des personnages qui vont évoluer. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus narratif, beaucoup plus immersif, beaucoup plus jeu de rôle, entre guillemets. Mais toutes ces différentes façons de jouer, tous ces différents modes de jeu rajoutent beaucoup au renouvellement des parties et au plaisir de jeu. On peut, rien que dans la boîte de base, il y aura déjà beaucoup de scénarios également. Là on voit qu'il y a des zones qui ont été délimitées sur le plateau, dont on imagine bien effectivement que c'est une œuvre d'art qui a été réalisée et qui n'a rien à voir avec le matériel de jeu. Moi j'ai deux souvenirs importants en termes de mécanisme de jeu sur Mythic Battles, l'activation par les cartes et le système 2D qui était vraiment très original. Tu peux nous en dire deux mots ? Alors, si tu as déjà joué à la première version, tu apprendras très très vite à jouer à celle-ci. Il y a des petites différences parce que tous les pouvoirs ont été revus, tout a été adapté à la nouvelle échelle. Il y a quelque chose qui a changé, c'est en termes d'ergonomie. Dans le premier Mythic Battles, les personnages avaient des blessures, hein, et donc on devait constituer un petit deck de cartes pour chacun d'eux, et quand ils se prenaient une blessure, on retournait la carte, on la remettait en dessous. Mais comme il y avait beaucoup d'unités, ça faisait beaucoup de paquets à préparer, c'était long. Là, on a simplifié les choses, donc avec des disques qui permettent de voir exactement les caractéristiques. Quand on se prend des blessures, on tourne le disque et donc les nouvelles caractéristiques sont mises. Alors ça, ce sont des proxys, hein. C'est pas du tout comme ça que ce sera. La maquette finale sera beaucoup plus jolie, hein. Là, c'est juste pour pouvoir tester. Ce seront des disques. Donc, ça évite d'avoir à préparer des petits paquets de cartes et ça marche tout aussi bien. Au dos, il y a la description des pouvoirs de l'unité, sachant qu'il n'y a que des pouvoirs uniques pour chaque unité. Voilà, et puis le système de dés reste le même. Donc si par exemple, on imagine, je vais faire un petit exemple tout simple, le Minotaure, voilà. Le Minotaure et Athéna. Voilà. Donc on va les mettre par exemple ici. Ils s'affrontent ici. Voilà. Donc round 1, Minotaure contre Athéna. Minotaure attaque Athéna. Alors, c'est très très simple.
Le Minotaur, vous voyez là, on voit les caractéristiques du Minotaur. Chaque disque a les mêmes, donc au début c'est l'attaque. Donc là ça veut dire il lance le nombre de dés qu'il va lancer pour attaquer, 6. Ça, le bouclier, c'est sa défense, c'est-à-dire le score qu'il faut atteindre pour lui infliger une blessure. Sur un dé, puisque les dés sont tous lus individuellement. Là, c'est la portée, c'est-à-dire à quelle distance porte ses attaques. Lui, il a une portée de 0, ça veut dire qu'il attaque que au corps à corps. L'espèce de petit éclair qu'on voit là, c'est ses pouvoirs spéciaux. Donc, 0, ça veut dire que utiliser son pouvoir lui coûte 0 carte art de la guerre. En dessous, vous voyez, alors bon, là c'est parce que c'est quand il est blessé, hein, je vais le remonter à bloc. Ensuite, vous avez le petit bonhomme qui se déplace, c'est le mouvement. Quand il n'est pas blessé, il se déplace d'une zone normalement, donc ça veut dire que lors de son activation, il peut se déplacer d'une zone. Et enfin, tout en bas, c'est les points de vie. Donc il a 8 points de vie, quand il s'est pris 8 blessures, il est mort. Donc, on va faire une attaque du Minotaur sur Athéna. On va regarder le nombre de dés, le score d'attaque du Minotaur. Il a 7, donc ça veut dire qu'il va lancer 7 dés. Et on regarde qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit faire le score de défense d'Athéna. Athéna a 8 en défense, donc il doit obtenir des 8 sur chacun de ses dés. Oh là là, 8 avec un dé de 6, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y a justement une subtilité. C'est que ce sont des dés explosifs. C'est-à-dire que si on obtient 5... puisque les dés sont numérotés de 0 à 5. Les faces blanches sont perdues et les 5 sont explosives, c'est-à-dire que si on obtient 5 avec un dé, on peut relancer le dé et ajouter le nouveau résultat à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va faire une petite démo instantanée. Le Minotaur lance 7 dés, il doit faire des 8. Sachant que les 5 sont relancés et on ajoute le nouveau résultat. Je vais le lancer là, par exemple. Voilà. Alors. C'est pas mal. C'est un score qui est pas mal du tout. Alors, les dés blancs sont. Les faces blanches sont automatiquement retirées. Dans le jeu, si on a une compétence, elles peuvent servir, ces dés, notamment à projeter. Donc, grâce à ce jet. Le Minotaur peut projeter Athéna à la fin de son attaque. Mais là, on va juste regarder les dégâts qu'il lui inflige. Donc, d'une manière générale, les dés blancs sont retirés. Ensuite, je regarde les dés à 5 faces que j'ai. Enfin, les 5 naturels que j'ai obtenus. J'en ai obtenu 3. Ces 3-là, je vais pouvoir les relancer. L'originalité du jeu, c'est qu'on a le droit d'écarter n'importe quel dé pour ajouter 1 au résultat d'un autre dé. Donc, par exemple... Là, j'ai un 4 et un 2. Si je retire ce 2, donc je ne l'ai plus, j'ai le droit d'augmenter un résultat de dé de 1. Donc ce 4, par exemple, peut passer à 5. Ou même le 5 passerait à 6. J'ai tout à fait le droit, si je veux assurer une touche, de dire j'écarte ces deux-là. Donc je suis à 5 et un 6, 6 et un 7, 7 et un 8. Et je ferai donc une blessure. Mais là, on va dire que... On la tente. Voilà, on la tente. Donc j'ai 4 dés et je vais les relancer. Et donc les dés sont lus individuellement et je vais pouvoir rajouter les résultats. Ah, il y a un petit peu de vent. Voilà. 5 et 3, 8, ça fait une blessure. 5 et 4, 9, ça fait deux blessures. 5 et 2, 7, ça ne suffit pas, mais j'ai le droit d'écarter celui-là et ça fait 8, donc 3 blessures. Donc le Minotaur a infligé 3 blessures à Athéna, donc je tourne de 3 crans. 1, 2, 3. Elle n'a plus que 6 points de vie et ses caractéristiques ont baissé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est que même rien qu'une fois qu'on a calculé toutes les stacks, les modificateurs, etc., dans le jet de dés, il y a de la tactique, il y a de la prise de risque. C'est même à l'intérieur du jet de dés, on peut faire un certain nombre de choix pour minimiser ou maximiser les dégâts. Exactement, et ce qui fait que il y a moins de frustration dans le hasard parce que quand on lance beaucoup de dés, on est quasiment sûr de faire au moins une touche. On a toujours le choix et très souvent la possibilité d'assurer une touche en écartant des dés ou alors de tenter d'en faire plus grâce à des 5 mais en courant le risque de rater parce que quand on relance et qu'on fait une face blanche, c'est perdu automatiquement. On n'a plus le droit de rajouter des bonus dessus. Effectivement. On va peut-être parler un petit peu de l'avenir proche du jeu.
Je vais poser une ou deux questions désagréables, ce qu'il faut bien. La première, ce que je comprends en voyant ça, évidemment, c'est super séduisant, mais c'est que quand j'ai fait le Kickstarter et que j'ai reçu Mythic Battles Pantheon, je peux utiliser ma boîte de Mythic Battles pour caler mon armoire ? Le premier jeu ? Oui. Ben oui, en fait oui, pour être tout à fait franc, oui. C'est pas vraiment une deuxième édition, c'est plus une sorte de reboot. Le premier jeu n'est pas à la même échelle. On a réfléchi, est-ce que c'était vraiment possible de faire quelque chose et c'est difficile parce qu'il y a des petits détails de règles qui ont changé. Ça a été repensé à la nouvelle échelle, ça a été repensé pour être joué avec des figurines, ça a été repensé pour être joué avec des décors. Donc c'est vraiment un nouveau jeu. On est allé beaucoup plus loin. Le jeu est tel qu'il aurait, l'auteur aurait aimé qu'il sorte dès le départ, mais qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il faut savoir que on a beaucoup travaillé sur cette nouvelle édition. On a beaucoup travaillé et on travaille toujours. Et c'est également beaucoup d'investissement. C'est un gros, gros, gros investissement. Donc, ce qu'on se dit, c'est que c'est vraiment un nouveau jeu. Et que ceux qui ont aimé le premier jeu, qui ont aimé le système de jeu, vont redécouvrir quelque chose de très fort. Ils auront l'avantage d'apprendre très, très vite les règles. Mais c'est pas compatible, pas vraiment compatible, non. D'accord. Donc parlons une minute du Kickstarter. Donc je vais te demander la date et puis aussi j'aurai une autre question désagréable pour conclure, mais j'imagine qu'il y a un certain nombre de stretch goals que vous avez imaginé. Alors déjà, quand est-ce que vous avez lancé le Kickstarter ? Alors le Kickstarter, nous le lançons. Nous attendons en fait la livraison de Conan, vu que Monolith et co-éditeur avec Mythic Games sur ce jeu, on s'est dit que ce ne serait pas une bonne idée, ce ne serait pas un bon message de lancer un nouveau Kickstarter alors que les backers attendent le premier qui est Conan. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de signes et de garanties que cette livraison va se faire en octobre. Donc, ce n'est pas encore une date officielle, mais on pense qu'on va pouvoir lancer le Kickstarter fin octobre, après la livraison de Conan qui devrait intervenir début octobre. Donc voilà la date de lancement du Kickstarter. Et quelle était la deuxième question ? Les stretch goals. Alors les stretch goals sont prêts. On travaille très dur pour que justement cette campagne, tout soit prêt. C'est-à-dire, les stretch goals, ça va être quoi ? Ça va être du matériel en plus, des figurines en plus, donc des unités en plus. Le gros intérêt de ce jeu, c'est que on draft parmi les figurines et les modèles qu'on a à disposition. Donc si on rajoute des nouvelles unités, c'est des combinaisons en plus. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a des pouvoirs au dos de chaque personnage et ces pouvoirs vont se combiner avec d'autres unités. Et donc au moment où on teste, on va se rendre compte que tel compo avec tel ou tel personnage, ça fonctionne très bien. Donc le fait de rajouter des nouvelles unités, ça enrichit, ça augmente encore la rejouabilité et la profondeur du jeu. Donc on va rajouter des nouvelles unités, que ce soit des dieux, des monstres, des héros ou des troupes. On va rajouter des décors, on va rajouter du matériel, des cartes, des maps de jeu pour avoir différents... chaque fois des lieux emblématiques, on commence avec l'Olympe, le Styx, mais... On peut imaginer le Tartare, on peut imaginer le labyrinthe de Minos, on peut imaginer tous les lieux emblématiques que vous imaginez sur la Grèce, sachant que tout est un petit peu ravagé, parce qu'il y a eu cette explosion qui a été le point d'orgue du combat entre les titans et les dieux, qui a provoqué une explosion, une déflagration, qui a un petit peu ravagé la Grèce. Et donc, on est dans un monde un petit peu dur, un petit peu... ravagé, mais justement ce qui donne des maps intéressantes, avec des éléments de décor intéressants et qui changent la façon de jouer. Mais donc on peut imaginer que tous les lieux que vous connaissez, que vous aimez bien, vous allez pouvoir les retrouver dans le jeu. Voilà pour les stretch goals. Et donc évidemment il y a eu une polémique, il y a encore un peu une polémique autour du retard qu'a accusé Conan par rapport au Kickstarter. Est-ce que vous êtes organisé,
vis-à-vis de ce nouveau Kickstarter, quelle est l'expérience que vous avez, qui va vous permettre de limiter les retards sur le deuxième Kickstarter ? Alors déjà, j'espère qu'il n'y aura pas de retard sur le deuxième Kickstarter, mais c'est évident qu'on profite de l'expérience acquise lors de la campagne Conan. Le retard de Conan est quand même lié à l'extraordinaire succès qu'on a rencontré qui n'était pas prévu. On avait prévu, on espérait faire quelque chose de bien, mais pas à ce niveau-là. Donc ça a été au-delà de nos prévisions. Donc forcément, on avait annoncé oui, on sera prêt, et on a un peu payé le prix de ce succès. Mais par contre, dès le début de cette aventure Mythic Battles, on s'est préparé justement différemment. Par exemple, c'est que il y a des extensions qui sont prévues pour le jeu, qui seront totalement écrites, testées et tout ça. On a une énorme équipe qui travaille sur le jeu en permanence. Pour vous dire, on se rapproche de 60 personnes qui travaillent en permanence sur le jeu. Que ce soit les illustrateurs, les sculpteurs, donc ce sont les mêmes que sur Conan pour la plupart. Donc on a une grosse équipe, on a une dizaine d'illustrateurs, on a une douzaine de sculpteurs, on a des scénaristes qui chacun travaille dans leur coin et teste leur scénario. Et surtout, on a préparé en amont la production, ce qui n'était pas le cas de Conan. Ce qui fait que là, on va arriver avec, dès le début du Kickstarter, on espère pouvoir montrer les tirages plastiques de la boîte de base. Ce qui fait qu'on aura vraiment... On sera vraiment en avance, on n'aura plus qu'à... Je schématise en disant appuyer sur un bouton, mais c'est presque ça. C'est presque ça, c'est-à-dire qu'on se sera pris très 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 en amont sur tous les aspects et évidemment on tient compte de l'expérience de Conan. Maintenant, je te le dis parce que tu nous le demandes, pendant la com, on va pas communiquer là-dessus parce que justement ce serait malvenu, ça pourrait être perçu comme de l'arrogance suite à ce retard Conan qu'on assume. Hein, on est fautif, hein, il n'y a pas de problème. J'ai expliqué un petit peu pourquoi, mais on en est bien conscient. Donc ce qu'on veut, c'est montrer aux gens qu'on est prêt et que ce soit eux qui le voient. Mais là, je réponds à une question qui m'est posée. Merci beaucoup Léonidas. Écoute, on vous souhaite au moins autant de succès pour le prochain Kickstarter que pour Conan et évidemment de tenir vos délais. Ben on espère, voilà, le Kickstarter sera fin octobre et la livraison sera rapide, hein, on va dire, je donne pas de date, mais ça sera moins d'un an après le Kickstarter, ça c'est sûr, au cours de l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup Léonidas. Voilà, c'était TSR de Ludovox, depuis Paris et Ludique, à bientôt sur Ludovox.